Merci d'être fidèle sur TV Plus Madagascar, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans le journal en version française sur TV Plus. Voici donc les titres de nos éditions de ce soir. Les travaux entrepris au stade Barya Mamasna sont actuellement achevés à 90%. Il ne reste plus qu'à régler quelques détails techniques afin de conformiser le stade suivant les normes requises d'après les explications. Toutefois, la stade de Barya de Mamasne est prête à accueillir les festivités du 26 juin dans le défilé militaire ainsi que le match prévu au mois de septembre prochain, selon toujours les précisions. Le parti politique Oujkaf a haussé le ton ce jour suite à la sortie officielle du décret daté du 8 juin, paru jeudi dernier dans le journal officiel français et qui classe l'archipel des îles Glorieuses comme étant la 170e réserve naturelle française. Le parti nationaliste Oujkaf de fustiger l'inaction du gouvernement malagasy face à cette situation. La réhabilitation des routes nationales 13, T12A et 10 se trouve dans l'axe des priorités de l'État pour la transformation totale du Sud dans le cadre de la vision du président de la République, Andra Dzuil, pour sauver cette partie de l'île. Les travaux de réhabilitation de la RN13, qui fait partie des engagements présidentiels, débuteront en octobre avec celle de la RNT12A. Madagascar, par l'intermédiaire de la ministre du Travail, Gisèle Ranamp, a réaffirmé la volonté de l'État malagasy d'atteindre l'objectif d'éradiquer le travail des enfants en 2025. Actuellement, Madagascar est en cours d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. Et voici donc les détails de nos informations de ce soir. Sport, les travaux entrepris dans le stade Barya de Mamasna sont actuellement achevés à 90%. Il ne reste plus qu'à régler quelques détails techniques afin de conformer le stade aux normes requises d'après les explications. Toutefois, le stade Barya de Mamasna est prêt à accueillir les festivités du 26 juin dans le défilé militaire ainsi que le match qualificatif au Mondial 2022 prévu au mois de septembre prochain. Selon toujours les précisions, reportage effectué par Rina Souramanambouj et Alfidi Rakoutmanal. Un léger retard a été enregistré sur l'achèvement des travaux du stade de Barya, Madagascar. Reconnaît la société en charge des travaux, retard qui est directement lié à la pandémie de Covid-19, puisque l'importation des matériels a impacté la réalisation des travaux. Actuellement, les travaux sont achevés à 90%. Tous les grands ouvrages sont entrepris à 100% dans la tribune centrale où sont installées les chambres avec des salles de conférence et de réunion ainsi que des salles VIP. En outre, les vestiaires avec une capacité d'accueil de 4 équipes différentes sont également terminés. À part cela, l'état du gazon est aussi adapté. Il ne reste plus qu'à l'entretenir avec un système particulier déjà mis en place selon les précisions. Les grandes installations sont aussi réalisées pour la majorité d'après les explications. 172 caméras de surveillance ont été installées à travers le stade. Une salle de contrôle des enregistrements y afférente est déjà prête pour ce qui est des gradins. L'installation des sièges est terminée, l'on n'attend plus que leur numérotation. A noter que l'existence d'un gradin de 90 places réservées aux personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les installations électriques dans les projecteurs et autres, la FIFA les a déjà approuvées en tenant compte du fait qu'elles sont aux normes. D'après toujours les explications jusque-là, il ne manque plus que quelques détails techniques à régulariser. Le stade Barya de Mamasna est donc prêt à accueillir les festivités du 26 juin dans le défilé militaire. Il est également prêt à abriter en septembre le premier match qualificatif aux éliminatoires du Mondial 2022. La réception technique des gradins du stade s'est tenue ce jour et les responsables auprès du projet présidentiel de mentionner
que le financement des travaux a été entièrement à la charge de l'État malgache. Le parti politique Oujka Faossé le temps ce jour suite à la sortie officielle du décret daté du 8 juin paru jeudi dernier dans le journal officiel français qui classe l'archipel des îles Glorieuses comme étant la 170e réserve naturelle française. Le parti nationaliste Oujka de fustiger l'inaction du gouvernement malgache face à cette situation. Même la SADC a déjà soutenu le pays dans la réclamation de ces îles éparses, mais il semblerait que le gouvernement actuel ne s'investit pas assez dans ce sens et ce par peur de la France, affirme la porte-parole, le porte-parole du parti Oujkafo. Malgré les précédentes négociations, la France veut affirmer sa position quant à l'affaire des îles éparses de Madagascar en décrétant au mardi 8 juin que les îles Glorieuses constituent la 170e réserve naturelle française, c'est-à-dire une réserve naturelle officiellement créée et appartenant à la France. Les îles Glorieuses, faisant partie des îles éparses de Madagascar, se situent dans le canal de Mozambique au nord-ouest de Madagascar et font partie des îlots revendiqués par Madagascar à la France depuis plus de 40 ans. En novembre 2019, après l'escale du président français Emmanuel Macron sur l'île de la Grande Glorieuse, le président André Duel en personne s'est rendu en France pour entamer les négociations en vue de retour des îles éparses dans le giron de Madagascar. Mais depuis, plus aucune action n'a été faite jusqu'à présent, affirme le parti politique Oujkaf, alors que la France continue de s'arroger la possession de ces îles éparses de Madagascar, raison pour laquelle la France a émis ce décret. À J+4 de cet affront, l'État malgache ne réagit toujours pas, dixit le porte-parole de ce parti. Lui d'interpeller l'État malgache et a manifesté de l'indignation par rapport à cette décision française. Selon les lois internationales sur l'indépendance, une fois qu'un pays obtient son indépendance, toutes ces terres et dépendances doivent lui être restituées en entier, d'après toujours les explications. Il n'y a donc pas à hésiter à ce que l'État malgache revendique les îles éparses. Et c'est au gouvernement malgache de faire le nécessaire dans ce sens, souligne le parti nationaliste Oujkaf. Même la SADC a donné son soutien en faveur de Madagascar dans le processus de revendication de ces îles éparses. Mais le gouvernement semble paralysé, selon toujours Oujkaf. Et cela à cause d'éventuelles représailles de la part de la France, mais aussi le maintien au beau fixe des relations diplomatiques avec cette dernière, selon toujours Oujkaf. Et sauver le sud de la famine et de la malnutrition aiguë récurrente équivaut à résoudre le problème de l'eau qui sévit dans cette partie de la grande île. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène propose comme solution durable et concrète le forage à gros débit pour le district d'Anous et d'Anjoui. 5 forages à haut débit seront ainsi construits pour irriguer jusqu'à 200 hectares de terrain cultivable. Elle réitère également l'importance de la réalisation du cap d'eau depuis la rivière des Faux en passant par Tolagnar, Ambossar et Ambouvumbé. Près de 60 000 personnes auront accès à l'eau potable grâce à ce projet. De son côté, la Djirma étudiera la possibilité de revoir à la baisse le tarif de l'électricité dans ces deux régions du Sud. En effet, le prix du kilowattheure de l'électricité atteint actuellement les 795 ariars contre 370 ariars pour la capitale, ce qui contribuerait au projet du pôle d'investissement en termes d'industrialisation dans le sud. Le directeur général de la Djirma promet la stabilité de l'électricité sur 24 heures dans les chefs-lieux de district d'Anos et d'Anjoui bien avant la fin de cette année. Le colloque régional pour l'émergence du sud de Madagascar prend fin ce jour sous l'égide du président Radzwiln.
Et la réhabilitation des routes nationales 13, T12A et 10 se trouve dans l'axe des priorités de l'État pour la transformation totale du Sud dans le cadre de la vision du président de la République, Indra Dzwilin, pour sauver cette partie de l'île. Ces travaux de réhabilitation de la RN 13, qui fait partie des engagements présidentiels, débuteront en octobre avec celle de la RN T12A. La RN 10 commencera en mai 2022, selon le rapport du ministre de l'Aménagement du territoire. Lors de son discours d'hier, Indra Dzwilin persiste et signe quant à la réhabilitation de la RN 13. Ftiavana Doni et Yves Rassata. La réhabilitation de ces trois routes nationales assurera le désenclavement du Sud, explique le ministre de l'Aménagement du territoire lors de sa prise de parole lors du colloque pour l'émergence du Sud de Madagascar. La réhabilitation de ces portions de route sera donc la garantie de la transformation tant sociale qu'économique du Sud. Il s'agit de la refondation du Sud, vision du président Raduel, pour lutter contre le kéré et rattraper le retard du Sud. Ainsi, le président Raduel a réaffirmé son velirandu en faveur de la population du Sud devant l'Assemblée des élus et des responsables locaux, notamment en ce qui concerne la RN 13, une piste impraticable reliant Ius et Tolagnar. Les travaux commenceront en octobre, a déclaré le ministre de tutelle. Les travaux entre Ius et Bechuka consisteront au traitement des points noirs dont le financement a déjà été approuvé en Conseil des ministres. La RNT 12A reliant Tolagnar au Vanganjan commencera en octobre également avec la construction de deux ponts principaux de cet axe, à savoir Ebakika et Manabunj. La RN10 desservant Andanvour et Ampani sera entamée en mai 2022. L'État dispose d'un financement s'élevant à 470 millions de dollars pour la réalisation de ces grosses œuvres. Pour pouvoir les goudronner, tout le gouvernement est actuellement en phase de négociation de financement avec les partenaires financiers. Le président Raduel, dans son élan, a également rappelé que la RN44 est déjà en cours de finition grâce à l'investissement de l'État malgache. Les autorités locales ont besoin d'être informées sur la gestion du budget public selon le directeur régional du ministère des Finances dans la région d'Anjoui. Des descentes sur terrain sont nécessaires pour ce faire, à commencer par la commune de Bekili. Reportage Michael Nivolaz, image Afid Rakotonal. Certaines communes ont des difficultés dans l'élaboration des plans de gestion du budget public selon le rapport d'un centre national. Une situation qui est due au manque de sensibilisation au niveau des communes et des districts selon le directeur régional du ministère des Finances d'Anjoui. Plusieurs communes ne bénéficient pas de subventions comme le Fonds de développement local ou FDL à cause de cette lacune. L'élaboration du plan de gestion du budget public est en effet une obligation édictée par la loi. La direction régionale d'Anjoui a ainsi décidé d'effectuer des descentes au niveau des communes et des districts. La sensibilisation a débuté dans la commune de Bekili, une initiative qui a satisfait les responsables locaux dans la mesure où elle permet de tendre vers une meilleure gestion du budget public conformément aux lois en vigueur selon les bénéficiaires. Et Madagascar, par l'intermédiaire de la ministre du Travail, Gisèle Ranimpi, a réaffirmé la volonté de l'État malagasy d'atteindre l'objectif d'éradiquer le travail des enfants en 2025. Actuellement, Madagascar est en cours d'élaboration de la stratégie nationale de la lutte contre le travail des enfants, tout en faisant un point sur les résultats obtenus depuis 15 ans. Parmi ces efforts figure la suspension du travail des enfants dans les exploitations minières. Reportage. Madagascar a adhéré à la lutte contre le travail des enfants mineurs depuis les années 90. Parmi les domaines dans lesquels des enfants sont employés figurent les exploitations minières, la culture de la vanille et le travail ménager. C'était en 2014 que la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants était sortie. Elle a été appliquée pendant 15 ans et a déjà porté ses fruits. Toutefois, des lacunes restent encore à combler selon la ministre de la fonction publique et des lois sociales. Malgré les efforts déjà déployés, plusieurs cas d'enfants mineurs employés ont encore été recensés dans la grande île. Raison pour laquelle des réformes ont été apportées à cette stratégie et les efforts seront amplifiés pour limiter l'emploi d'enfants mineurs, selon toujours les explications.
La quête finale est d'annihiler le travail des enfants d'ici 2025, conformément à l'objectif défini par les Nations Unies que Madagascar se fixe également. Les vivres et aides pour le centre social Sainte-Catherine-Labouré sont finalement arrivés à Youss, comme le président de la République l'avait annoncé. L'appui aux religieuses de ce centre est plus que nécessaire dans la mesure où ils prennent en charge la population nécessiteuse dans la ville d'Youss, tels que les écoliers, les prisonniers ou encore les personnes âgées. Le centre offre une cantine scolaire à 170 élèves issus d'écoles différentes et donne également à manger à des prisonniers, or elles ne reçoivent aucun appui pour ce faire. Ainsi, ces vivres et appui pour le centre social Sainte-Catherine-Labouré contribueront à alléger leurs charges. La gouverneure Diourumbe d'insister sur l'appui dans le volet social qui est d'une grande importance pour le régime actuel afin de faire face à la crise qui prévaut dans le pays. Et bien sûr, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 19h30. Je serai là toujours sur TV Plus Madagascar dans le journal en version malagasy. Bonne soirée à toutes.